Mélanie Modran, qui souffle sa 44e bougie ce lundi 31 juillet 2023, évoquait il y a deux ans dans une interview son cocon avec un ancien tennisman, père de ses deux garçons. Un homme avec qui elle semble toujours en couple aujourd'hui, comme on peut le constater sur une adorable photo de famille postée sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours seulement. Mélanie Modran, qui célèbre son 44e anniversaire ce lundi 31 juillet 2023, s'est installée à Montpellier depuis le lancement d'Un si grand soleil, France 2, série dans laquelle elle crève l'écran. La Bretonne que je suis a en effet découvert la vie dans le sud, où les jours de pluie ne sont que surprise et étonnement, alors que si est-il le contraire par chez moi, confiait-elle en riant à nos confrères de Télé 7 jours par le passé. Avant d'évoquer subtilement l'homme qu'elle aime et leurs enfants, entre mer et montagne, j'y ai une grande qualité de vie, entourée de mon mari et de mes deux fils. Celui à qui elle a dit oui, et avec qui elle est en couple depuis plus de 13 ans, si est Thierry Assionnier. Un ancien joueur de tennis bien connu puisqu'il a longtemps fait partie des meilleurs joueurs français. Il a atteint la 81e place mondiale en 2004, obtenant de très bons résultats comme une 8e de finale de Roland-Garros, en double. Il est ensuite devenu entraîneur, prenant notamment sous son aile les talentueux Joe Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic. Il faudrait qu'il me donne quelques cours particuliers, expliquait d'ailleurs l'actrice au magazine, alors qu'elle était interrogée sur cette éventualité de l'avoir interprété un jour une tenniswoman à l'écran. Mélanie Modran et Thierry Assionnet se sont croisés pour la première fois lors d'un célèbre tournoi de tennis, au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre, a déjà raconté la comédienne. Le coup de foudre fut alors immédiat entre eux, puisque seulement trois semaines après leur première discussion l'ex-sportif lui demandait sa main. Ils se marieront trois ans plus tard, en 2010, avant de devenir parents ensemble de deux garçons, Tom, né en 2014, et Léo, né en 2015. Sur son compte Instagram, l'actrice n'hésite pas à partager des moments de sa vie en famille, comme le 12 juin dernier lorsqu'elle passait avec les siens une incroyable journée dans un endroit paradisiaque. Il y a quelques jours seulement, le 13 juillet, elle publiait cette fois-ci un adorable cliché des trois amours de sa vie, tous de dos, en train de profiter avec elle d'une sortie en bateau. Un contexte familial qui semble convenir parfaitement à la star d'Un si grand soleil.